Amis téléspectateurs HPM, bonsoir. Voix PAM, c'est Alan Fritz, depuis Port-au-Prince, qui va l'informer de toute actualité qui a dominé territoire national, pays d'Haïti. Bonsoir, PDG Abner, c'est un plaisir pour journée lundi 9 mai 2022, pour présenter pour téléspectateurs HPM information sans mélange sur actualité qui a dominé pays d'Haïti. Puis gros information qui a dominé territoire national, pays d'Haïti, c'est détournement dimanche 8 mai 2022, yon bus qui t'a transporté plusieurs ressortissants étrangers avec quelques Haïtiens qui mélangent là-dedans de République dominicaine à Haïti. Il détournait tout le monde kidnappé. L'autre point, c'est Nicole Désir qui kidnappé, jour qui était 3 mai 2022. Après 5 jours, il finit passé dans mes ravisseurs. Il arrivait libéré. Mais il pas de printemps pour le mourir. Bagayo, yo triste. PNH annonce libération. Ils ont présumé, annoncé libération, ils ont otage. Et arrestation, yon présumé kidnappé. DG Police Nationale là qui, après 6 mois de gouvernance, présentait yon bilan de ça réalisé pendant 6 mois que le tap mené tête Police Nationale d'Haïti. Dimanche qui était 8 mai, Negaxam te boté aller prend directeur opération DGIA, Monsieur Guy Bernard. C'est jour qui était 8 mai 2022. Matissan au rendez-vous. Matissan au rendez-vous. En pile monde victime pour journée 9 mai 2022 dans Matissan. Et même journée dimanche là. Pas de fin 3 jours. Gagné cas mortel qui produit détournement bus. Mort. Fouye moun, c'est tout ça qui est enregistré pour journée 9 mai 2022. Il y a un tremblement de terre, il y a un tremblement de terre qui a frappé NIP, département NIP, République d'Haïti. Il n'a pas fait dégâts ni il n'a pas crasé caille et grâce soit rendue à Dieu. Pas de monde qui est tombé. John Joel Joseph, extradé de Jamaïque vers les États-Unis d'Amérique. C'est point ça yo avec l'autre qui va faire essentiel information nous va le partager pour téléspectateurs HPM. Jean nous saute annonce au lit pendant même que gain présence la police dans commune Croix-des-Bouquets. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé? Délégation pour nous donner convoi police qui était déployé dans la commune Croix-des-Bouquets, jour qui était 8 mai 2022. Selon dernière information, un bus qui t'a sorti en République dominicaine, c'est qui c'est pour compagnie Métro SA, chiffre quantité passagers le te gen à bord, by en pile foub pour nous donner confusion. Il y a un chiffre qui avance 15, il y a l'autre qui avance 12, et il y a même chiffre qui avance 17. Mais ça qui était certain, un d'ambusa qui détournait, il y a deux endroits qui précisaient. Il y a un, c'est le papaye, dans le même endroit, côté yoté enlevé diplomate dominicain qui c'est Carlos Tatis. Et gagnons l'autre endroit, yo tabay que bus a ta jwenn enlèvement, c'est dans Kotar. Kotar ka plus difficile pour prendre un bus pour casser tête tourner avec aller la Tremblay. Mais Papay ta plus considéré comme lieu ça puisque dans Papay gagnons question de rack qui facile pour machine détourner. Bus a ta gagne 8 ressortissants turcs à Bali. Et gagnons citoyens République dominicaine, gagnons haïtiens dans le bus là.
chif haïtien yo pa fin tro fidèl, men gen haïtien. Compagnie, qui est-ce qui informe le gouvernement haïtien? C'est depuis Ville Turque. Eh bien, gouvernement haïtien, même c'est lui, c'est yo qui informe lui, c'est autorité dans Turquie qui informe pays d'Haïti face à enlèvement ça, détournement bus ça qui fait et otage yo qui n'a même ravisseur yo. Pour compagnie Métro SA, l'hypoko jamais gagné nouvelle sous passager qui a bord bus là et poko gen anken rançon qui exige pour yota konnen ki sa exactement kap décider ak passager qui a bord bus yo. Bagayo yo chaud nan la République, très chaud. Bon côté pas DG Police Nationale là, li ta avancé chiffre. Côté pour montrer qui ça réalisé pendant 6 mois de gouverner, nous déjà connaissons DGA était en difficulté entre démission ou révocation. Gain deux branches, ou puisque gain une bataille dans le pouvoir l'État qui fait déclencher là en Haïti, c'est les Jovenelistes et PHTKistes mélangés avec SDP. Et gagnent les attachés de tête calée. Chaque son groupe différent, même j'en ouvre un groupe fédéré illégal yo, qui gagne plusieurs noms, et chef yo gagne plusieurs petits alias. Mais l'État, c'est comme ça, l'a fonctionné. Ou pas ta capable de brever yon l'autre État. Directeur police nationale a avancé chiffre que li saisi 25 kilos de cocaïne. Dirive joine nan men nèg ki yo même a fait mouvement drôle 78 000 dollars américains et pour question goud même dirive joine soit 34 millions goud. Chiffre sa yo gros, mais chiffre ki pi chiche la, c'est machine ak zam. Chiffre ki avancé, ta fait état de 21 machines ki ta récupéré. 234 âmes saisies, 94 nègres civils armés arrivés blessés mortellement, et sous patavle tande mortellement, ou t'as dit qui arrivaient blessés baronment, arrivaient blessés baronment et ont mouru. Il y a 4 918 individus qui rive joine arrestation yo. Ce bilan 6 mois, sorti 21 octobre 2021, bout 9 mai 2022. Miami Herald, bon côté parle, t'as avancé information que John Joel Joseph, qui t'a gagné main trempé comme suspect dans l'envoi Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Gouvernement pays Jamaïque t'a extradé vers les États-Unis d'Amérique jeudi 9 mai 2022 et après-midi à même qui 9 mai à John Joel Joseph t'a dû commencer tendé par la justice américaine. Yon chauffeur t'a mouri dans un petit bus. Dans le passage, il a essayé de passer dans National numéro 2 Matissan. Dans 43 machines bloquées, yon ti chat vient porter secours by Silayo qui pas qu'à traverser à pied. Yo fouillé yo comme ça doit. Et gen coin qui spéc qui la poussa. Gen yon ti bus qui détourné. Yo rive libéré chauffeur, mais chauffeur a libéré à poche li vide, mais il pa gen ken téléphone pour rele la kay li, mais bus la li rete ak téléphone, c'est seul chauffeur qui libéré. Gen l'autre bus yo retrouvé qui abandonné sous route Matissan sans yo poko gen information pour konn ki exactement ça yo fait
ak pasaje, eske ou desan ou bien chauffeur sa li menm li ta nan men ti monsieur Matisan yo. Depi dimanche 8 mai 2022, Matisan gen deux groupes yo ki positionne yo, puisque gen yon parti groupe ki fédéré ak G9, gen l'autre ki fédéré ak GPEP. Eh bien, an tout soldat yo a terre, et dans moment où li pral fè 5 heures nan après-midi, nan kafou, machine pa rive traverse, et gen plusieurs moun ki pran bal. Se chif kap avanse sou quantité moun kap victime nan passage Matisan, soti samedi dimanche, rive lundi 9 mai 2022. DG Police Nationale la, en difficulté, nan Tigouave, du Vergil alias Pepe, en bakod, se yon gros neg ki li menm, msye important en pil pou base 400 Maroso, la police ta arrete msye, li ta ancien bras droit yon selon information ki avanse. Msye li menm, li ta tuye yon frè, Miguelite Maxime, ki li menm li se ex-responsable Academy Police, selon yon source ki avanse information. Alex, mon premier. D'après information ki ap sillonné, se premier policier ki extradé vers les États-Unis d'Amérique pour trafic drogue. Se jeudi 9 mai 2022, li ta droué à bord avion pou lal aux États-Unis, même s'il pa jamman de visa depi ou nan drogue. Ou ka pati menm sou pa gen passeport. Yon weekend fatidik pou DG Polis Nasyonal la. Tout alè n pral fò tande yon ti bad bouch nan sal te prezante kom nan diskou de sirkonstans li nan point pres li te prezante bay jounalist yo ki te prezan nan sal sa. Dimanche 8 mai, nèg aksam te anleve opérateur DGIA, monsieur Gay Bernard, et jeudi 9 mai, employé DGI, organisé yon mouvement protestation nan Carrefour Tifou pour exiger libération directeur opération qui enlevé par des hommes armés pour week-end nan la. Plus passé 22 moun joine enlèvement yo nan canton zone métropolitaine Port-au-Prince. PNH libération yon otage. Arrestation yon présumé kidnappé nan ville commune arrondissement Croix-des-Bouquets. PNH te possédé ak libération otage sa jou ki te 8 mai 2022. C'est un jeune garçon qui gagne 19 l'année sous tête li et qui te joine enlèvement jeudi 5 mai la caille nan entrée caille li entrée la caille li yo prend nan Bedin 7. C'est quatre nègre exam qui te rivé volant monsieur la caille li al serrer nan caloge ravisseur. Yon présumé kidnapper qui te joué rôle surveiller monsieur li même qui te enlevé a. C'est Jefté Joseph, li gen 21 l'année sous tête li et c'est youn nan moun qui fait partie de kidnapper yo qui ta nommé la police comme présumé et la tann DCPJ passé men pran nan commissariat Croix des Bouquets. Jean outandel yo, c'est comme ça bagay yo reparti nan ville commune Croix des Bouquets. Nan Pétionville. PNH tal fouye yon maison jou ki te 8 mai 2022. Nan intervention a deux têtes, se PNH accompagné officier de justice, yon fusil automatique te saisi ak l'autre matériel d'un coup radio communication ak toute base radio a saisi. Et yon te retrouvé tout bagay sa yo nan yon maison abandonné nan Pétionville. PNH
Nous bien dit, c'est libération otage 17 et 19 ans, martissant chargé avec problème, chargé avec difficulté. Nicole Désir, ça c'est un drame. Drame, puisque otage l'a libéré, il était gain seulement temps pour te remercier moun qui te brave danger, al chercher grand ravine pour ta rentrer la kaili ak li, le yo te vle libérer. Nicole Désir qui te joint enlèvement 3 mai 2022. Li te nan entreprise privée nan Pont Morin. Nèg exam te enlevé et li te joint libération. Après libération, Nicole te gen seulement temps pour te remercier famille ak proche qui te supporté. Tout de suite après elle te senti un malaise, li pat même gen tan rive l'hôpital, li mouri. Pour famille haïtien qui te gen moun à bord bus là. Yon bus suivant premier élément information ta gen 17 moun à bord li pou n'ba di passager. Li te détourné 8 ressortissants turcs, yon ressortissant dominicain ak 8 haïtiens qui fait partie dans bus là. Ça qui ba yon chiffre de 17. Non qui rive identifié nan passager qui a bol, genyen présent Christopher, Murat Pierre André, Nelson Ketia, Jeune Abraham, Louis Mendes, Juin Blech, Leandro ak Pierre Makenny. C'est 8 non haïtiens sa yo, qui abord bus qui détourné qui groupe yo longe droite sous lit c'est base 400 Marozo de Lamor Saint-Jean. Information qui avancé c'est dans papay que bus là t'a détourné c'est journal El Dia depuis République Dominicaine qui t'a avancé information ça et qui t'a même révélé que c'est même côté yo te prend diplomate Carlos Tatis. C'est là encore Bussa lui-même li t'a détourné et traîner moun ki de la dan yo nan même endroit côté monsieur américain yo te retrouvé yo et pour yo te rivé retirer corps yo nan coin ça c'est sauvé yo te sauvé par miracle du Saint-Esprit si c'est vrai. N'a pas attendre bad bouche nan discours DG Police Nationale là, Léon Chol. Bonne écoute. 2022. Direction générale de la Police Nationale d'Haïti, conférence de presse spéciale. Côté que c'est le commandant chef là qui va parler avec la presse, qui va parler tout avec la population. Son bilan premier 6 mois. Également, perspective d'avenir à court et à moyen terme. Et après intervention du GA, journaliste, il y a bien possibilité pour poser du GA quelques questions. Merci, Monsieur le Commandant-Chef. Saluer la population qui attend de nous à travers les médias. Saluer nous tous. Je dis à nous estimer que c'est extrêmement important pour que nous parlions avec la population. Après 6 mois, au commandement, une responsabilité envers la population, donc c'est un devoir.
pour que Jodia nous vienne dire qui j'ai la police la marché. Qui j'ai la police là a quoi bandit. L'important pour que nous parlions à la population Jodia. Comme nous connaissons, moi je commandement la police là, 21 octobre 2021. Là, un moment qui est extrêmement difficile. Côté que situation politique pays a été agitée. Côté que la police là, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un problème. Les policiers démoralisés. Il y a une cassure entre le recommandement et base de la police là. Qui vient de nous création de syndicats. Qui vient de nous puis devant le mouvement 509. C'était un moment extrêmement difficile. Nous avons pris la responsabilité, nous. Et rapidement, quelles mesures que nous avons prises. Premièrement, nous monter un nouveau commandement. Un nouveau commandement. Et à partir de là, gagner un ensemble de rencontres que nous faisons. Une rencontre de visite que nous faisons. À travers la direction du département, le commissariat, les unités spécialisées. Donc, c'était un pèlerinage. Un pèlerinage pour que nous allions parler avec les policiers. Sensibiliser sur le moment, sur les difficultés que le pays a traversé. Et reconnaître que la frustration est légitime. Nous allons demander aux policiers pour faire un dépassement de soi. Mettez de côté la frustration, mais en nous faisant seul. Dans la police là, pour nous mettre contre le bandit et changer trajectoire, situation et sécurité pays à traverser. Rapidement, les policiers ont répondu. Ils ne sont pas seulement répondre dans la bouche, mais ils répondent à travers les actes qu'ils ont fait dans la rue, les gens ont engagé dans la rue. Et grâce à la mobilisation, ça, grâce à la motivation au niveau la police là. Grâce à l'unité qui gagne en dans le commandement, dans la police là, côté base de la police contre la sécurité. Ça permet que gagne un ensemble d'opérations que la police réalise à la police. Et ça permet que nous gagnions des résultats concrets. Côté que 4998 arrestations faites pour plusieurs causes. Kidnapping, assassinat, drogue, détention d'armes illégales et la trier. Dans le cadre de lutte contre la drogue, 25 kg de cocaïne nous saisis, marijuana. Nous saisis pendant 6 mois 234 armes à feu. Nous avons la possibilité d'exposer plus de 150 là. Que la possibilité pour nous garder, c'est des armes que nous saisissons au cours d'opérations que nous déclenchons. Toutes 248 là, toutes 234 là, pas exposées là, mais en grande partie exposées que nous allons garder. Malheureusement, au cours d'opérations, il y a 94 bandits qui sont blessés mortellement dans le cadre d'échange avec la police. Il y a 21 véhicules que nous récupérons, qui ont été volés que nous récupérons, avec plusieurs motos que nous récupérons ou du moins confisqués. Nous saisissons l'argent. Nous saisissons 78 520 dollars américains. Nous saisissons 34 220 575 gouttes. Et ensemble d'opérations que nous réalisons permettent que dans le mois d'avril, là, nous gagnons une baisse considérable dans le cas de kidnapping dans le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. Il y a des progrès faits. Ville de professeurs sous contrôle. Zone métropolitaine, on a promis chaque jour contre bandit.
Et nous prenons responsabilité nous pour continuer de ça. L'affaire on se passe spécialement sur le dernier incident qui arrivait au niveau blême du Ville-de-Sac. 24 avril, deux groupes ont affronté.